Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi, je vais nickel Chrome. Hein. Donc, on va regarder ensemble bah, les messages okay, que je peux te faire passer. Alors là, on a quoi? J'ai eu celle-ci, elle a sauté. Donc là, on parle d'un carrefour. Pas le carrefour, non, pas carrefour. Hein. Pas carrefour où tu vas faire tes commissions. Hein. Donc, d'un carrefour quand tu es en bagnole. Non, un carrefour... Dans le sens où on te dit que tu vas avoir des décisions à prendre. D'abord pour toi, en priorité, pour toi. À mon avis, qui peuvent avoir aussi des choses qui ont à voir sur ton passé. Mais, ah non, mais c'est pas ta faute. Tu n'y es absolument pour rien. Et on me dit que déjà, sentimentalement, tu as pu ou tu connais un homme ou une femme. Attention, attention. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. D'ailleurs, ça a toujours été ma phrase fétiche depuis 2017. Sur ma chaîne YouTube. Je dis ça, je dis rien. Mais quand je disais toujours je dis ça, je dis rien, c'était je dis, c'est plutôt ça en fait, hein, que je dis ça, donc je dis rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est que bah, là-haut, ils étaient sûrs des messages qui me faisaient passer. Hein. En tout cas, pour les guides. Qui était déjà à mes côtés à l'époque, ouais, de 2017 jusqu'à l'heure de maintenant. Hein. Alors, évidemment, au niveau des guides, qui me donnent les réponses, je vais vous dire quelque chose. Quand mes ancêtres, oui, sont là, c'est eux qui me répondent, mais pas toujours. Non, pas toujours. Donc, je préfère le dire, hein. Parce que parfois ils aident si des gens comme moi ou alors ben ils aident des gens sur la, si sur la terre. Ah ouais, mais nous on les voit pas, mais eux, ah ben c'est bon, bref. Du coup là, pour toi, on parle que le soleil, enfin le soleil d'éclaircie qui arrive dans ta vie. Ouais, alors tout dépend tes attentes. Ah ben moi je connais pas vos attentes, hein, publiquement. Hein. Ah ben non. Si c'était sur une consultation en privé, je vais te le dire. Mais faut pas déconner, hein, sur du public. Comme ça je peux pas. Ah là là, parce qu'il y en a, c'est plein. Il y en a, c'est trouver un emploi. Il y en a, c'est évoluer dans un emploi. D'autres, c'est est-ce que mon mec, enfin l'homme ou la femme que j'aime va revenir. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Bon, vous comprenez. Donc voilà, chacun a ses désirs, d'accord? Donc il ne faut pas déconner. Vous voyez? Alors après, amis. Oh putain, alors parlons-en des amis. Hein. Alors là, faites ce que vous voulez. Mais si vous demandez si des anciens amis, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, hein, vont revenir vers vous. Ah ben, alors pas tous, pas pour tout le monde, mais selon les cas, parce que vous savez combien il y a de villes en France, et combien, par exemple, moi je suis du Vaucluse, ouais, Vaucluse, le Vaucluse c'est immense, enfin pas tant que ça, mais le Vaucluse, moi je suis à Cavaillon, mais il y a les alentours, alors, faut pas déconner, hein, voilà, mais il y en a, si, ils vont revenir vers vous. Pourquoi? Moi, je pense que il y a des événements qui vont arriver où ils vont se rendre compte qu'ils vous ont gravement mal jugé. Ah ben, ils vont tous, beaucoup. Moi, non, les faites plus rentrer chez vous. Si c'est en ligne, ne soyez... Non, vous pouvez les re-accepter dans vos contacts. Mais ne soyez plus jamais amis avec eux. Ah non.
Alors, si c'est vous êtes anonyme, oui, anonyme, c'est pas la peine de les reprendre dans vos contacts, non, réseau. Si vous êtes pro, c'est pas pareil. Vous pouvez les reprendre, ils s'excusent. Si ils veulent quelque chose de vous pro, ok, mais c'est fini. Ah, mais pourquoi? Parce que, à mon avis, ils ont des choses à se reprocher, si on me le dit. Hein? Qui ne vous dit pas qu'ils vont encore croire tout et n'importe quoi sur vous. Donc, c'est pas la peine. Donc, vous les excusez. Si vous êtes pro, comme vous êtes des bons professionnels, s'ils ont besoin de métier, de service, vous leur ferez. Mais pas plus. Non. Ah ben non. Ah ben non. Vous comprenez. Si vous êtes des anonymes, c'est pas la peine. Non. Quel intérêt? Puisqu'ils vous ont créé des problèmes directs ou indirects. Mais on s'en fout. Rien à foutre. Moi, je vous dis ce que là-haut ils disent. Hein? Bon. Ah ben, il y en a plein qui vous ont bloqué. Ah, énormément. Alors, là, vous êtes des anonymes. Ah ben, c'est pas la peine. Pourquoi faire? Vous êtes anonymes. Vous n'êtes pas des pros. Professionnels. En ligne. Ah ben, c'est pas la peine. Mais si vous êtes professionnel, vous les débloquez. Vous attendez de voir ce qu'ils vont vous dire. À mon avis, beaucoup vont vouloir s'excuser. Si ils ont besoin plus tard de vos services en tant que pro, vous êtes des bons pros, donc vous leur ferez, mais pas plus. Ah, écoutez, moi je vous préviens. Parce que voilà, écoutez. Alors, il y a les anonymes, c'est-à-dire ils sont pas professionnels sur les réseaux. Non, c'est pas la peine. Non, passez à autre chose. Pour les pros, moi je suis professionnel. Bon, voilà. C'est-à-dire que si ils veulent s'excuser, peu importe pourquoi, écoutez ce qu'ils disent. Parce que vous êtes de bons professionnels. Mais ne vous faites plus jamais amis avec ces gens-là. Non, non, non. C'est donc jamais. Merci d'autres mecs et nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. Hein? Racontent encore des conneries sur vous. Autant, ils vont recommencer. Les gens, ils sont cons en France. Écoutez, les gens, il y en a énormément en France, ils sont cons. Et tout ce qu'ils vont dire sur l'autre, ils le croient. Encore quand on ne vous fait pas du cyberharcèlement à visage découvert. Ou découvert. Et la plupart du temps, il n'y a jamais rien de vrai. Mais non, c'est que du fake. Sur vous. Des anonymes, des pros. Alors, si vous êtes anonyme, c'est pas la peine de reparler avec eux. Mais si vous êtes des pros, comme moi, regardez ce qu'ils vont vous dire. Ah ben, ils vont s'excuser. À mon avis, pour certains, beaucoup. Tu leur diras, je vous pardonne. À toi, je te pardonne. À toi, je te pardonne. Mais pas plus. Si un jour ils ont besoin de vos services en ligne, comme vous êtes bon professionnel, sérieux, machin, vous ferez ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Dans le domaine pro. Mais pas plus. On sait jamais, parce que si d'autres cons ou connes vont raconter tout et n'importe quoi sur vous. Les gens sont très influençables, très manipulables, et ils croient tout ce qu'ils disent, les mecs et les nanas, qui travaillent dans le même domaine que vous. Vous savez, les gens en France, c'est des moutons. Vous connaissez. On sait jamais, si les mêmes racontent encore des merdes sur vous, ils sont capables de recroire les moutons. Les moutons, ils suivent. Ah oui, moi j'ai jamais été un mouton. Non, c'est pas pour rien que j'ai pas d'amis. Nulle part. Mais non, à quoi ça va me servir d'avoir des amis dans la vraie vie ou sur les réseaux? Parce qu'ils vous prennent toujours pour des cons. Ah bah. Soit ils vont te voler ton mec ou ta nana, si tu en as un. Soit ils vont critiquer ton logement, que c'est trop propre, c'est trop beau, ou que tu es comme un clochard. Sinon.